Bonjour à tous. Je suis Elisabeth Sutton, je suis aujourd'hui sur le stand de Librinova au salon Livre Paris. Et nous sommes sur le stand M53, Librinova Livre. Et cette rencontre assez exceptionnelle, ma foi, est retransmise sur Facebook, sur la page Librinova. Et également, vous pourrez le voir en replay si jamais vous loupez ce moment important. Nous allons parler évidemment d'auto-édition. Donc je suis Elisabeth Sutton, je suis consultante en édition numérique et je travaille notamment beaucoup avec les auteurs. On va parler d'auto-édition, mais surtout aujourd'hui l'objectif ce n'est pas de donner des trucs aux auteurs, c'est plutôt de se projeter un peu dans ce qui existe et puis surtout de voir ce que va être l'avenir de l'auto-édition. Donc bienvenue à tous, merci d'être venus si nombreux. Et quand on parle de ce sujet de l'auto-édition, eh bien, on parle souvent de trois acteurs majeurs. Bien entendu, Librinova qui a su s'imposer dans le domaine de l'auto-édition avec un niveau de compétence qui est très particulier et dont Charlotte Alibert nous parlera. Évidemment, quand on parle d'auto-édition, on parle de KDP, le service d'auto-édition d'Amazon. Et nous avons Enaray Pass qui est venu sur le plateau. Et puis, évidemment aussi, la représentante de Kobo Writing Life, à savoir Camille Mofidi, qui également propose un service d'auto-édition pour Kobo. Donc je tiens quand même à souligner que c'est quand même la première fois qu'on a les trois acteurs majeurs en France qui sont réunis autour d'un même plateau au niveau du grand public. Donc je pense que ça, c'est aussi un objectif qui a été atteint plusieurs années après le travail qui a été fait. Je ne vais pas être longue, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais quand même, on a quelques chiffres qui sont assez intéressants. En 2017, au niveau du dépôt légal, on a eu 80 000 livres de déposés nouveaux livres de déposer au niveau de la BNF. Et sur ces 80 000 livres, on avait 17% de titres qui sont issus de l'auto-édition. Et on comptabilise sur cette année 2017, on aura les chiffres 2018 en juin, on comptabilise 1210, ce qu'on appelle primo-auteurs. Donc des personnes qui ont décidé de publier leur livre, leur premier roman, en auto-édition seuls. Et qui l'ont déposé au niveau du dépôt légal de la BNF. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de tendance, qu'aujourd'hui, eh bien, le marché de l'auto-édition, on peut parler de marché. Et pour commencer cette rencontre, je vais commencer à donner la parole bien, notamment à Charlotte. On va peut-être faire un premier tour de table. Première question. Combien d'auteurs sont publiés via vos plateformes, respectivement? Quels sont le type de livres qui sont publiés? Et quels sont les livres qui se vendent le mieux aujourd'hui? Charlotte, on va peut-être commencer par toi. Alors, ouais, on peut commencer par nous, puisque alors nous, on va être le plus petit service d'auto-édition, puisqu'on est, on est un acteur purement français, et pas un acteur international, mais quand même, donc Librinova, qui a démarré il y a 5 ans. En 5 ans, on a publié 2500 livres environ. Et on publie, alors, vraiment tous les genres. Alors déjà, si je reprends les chiffres, juste à savoir, ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années. Hein. Au démarrage, évidemment, en 2014, ça a été assez lent. Et 2018-2019, on publie quand même 3-4 livres par jour. Donc on est vraiment dans une très grosse accélération liée au fait que les gens connaissent de plus en plus l'auto-édition. On publie, alors j'ai regardé les chiffres avant de venir, le genre privilégié chez nous, ça reste le roman, la fiction. On a 60% de romans et c'est aussi ceux qui marchent le mieux dans notre top des ventes, suivi ensuite par les nouvelles et les témoignages et arrive ensuite tout ce qui est jeunesse. La littérature jeunesse, mais dans des proportions assez inférieures. Et dans le top des ventes, ouais, beaucoup de romans, pas que de la littérature de genre, contrairement à ce qu'on entend parfois.
Les plus vendus, ça reste la littérature générale et puis évidemment romans d'amour au sens très très large du terme. Ça va vraiment, ça couvre tous les types de romans sentimentaux. Le polar marche aussi assez bien. Voilà ce qu'on peut dire côté LibriNova pour les genres. Et au niveau du nombre d'auteurs, on compte plutôt en livres. C'est vrai, je crois quand même que la majorité de nos auteurs en sont à leur premier roman. On a, après, on en a qui publient 2, 3, 4, 10, 15 romans, mais si sur les 2500 titres, je pense qu'on a 2000 auteurs, enfin, c'est quelque chose comme ça. Mm-hmm. Bonjour Aïnara, à tous, ouais. Donc, je suis Aïnara Ipaz, je représente KDP, qui est l'acronyme de Kindle Direct Publishing. KDP, c'est le service d'auto-édition d'Amazon qui a été lancé en 2011 en France, en même temps que la liseuse Kindle. Alors, il y a aujourd'hui des centaines de milliers d'auteurs dans le monde qui utilisent ce service pour publier leur ouvrage. Il est vrai que depuis le lancement de KDP, c'est vraiment le genre de la fiction qui était fortement à la fois plébiscité par les lecteurs et proposé par les auteurs. Avec une vraie diversification dans ce genre. Ça a démarré très fortement autour de la romance, du polar, du thriller. On observe aujourd'hui une vraie diversification et une représentativité beaucoup plus équilibrée parmi les genres, notamment, par exemple, je peux mentionner l'essor de la fantasy, de la science-fiction. Et plus récemment, je dirais ces deux dernières années, la non-fiction se fait une place de plus en plus importante. Preuve en est, nous avons lancé un concours du développement personnel avec Femmes Actuelles il y a 6 semaines et on a déjà quasiment 1000 participants à ce concours. Donc les auteurs publient, auto-éditent de plus en plus de non-fiction et les lecteurs sont au rendez-vous. Il y a des ouvrages qui arrivent numéro 1 des ventes autour dans ce genre du développement personnel. Il y a notamment la 25e heure qui est restée très longtemps numéro 1 des ventes ou un autre ouvrage qui s'appelle Il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Bonjour à tous et tout d'abord merci à Charlotte et Laure d'avoir initié cette table ronde. Merci. Qui effectivement est une première au Salon du Livre, comme Elisabeth l'a souligné. Donc moi je m'appelle Camille et je m'occupe de la plateforme Kobo Writing Life, qui est la plateforme d'auto-édition de Kobo et Fnac. Donc Kobo, on est présent dans 190 pays, nous sommes Canadiens à l'origine et on a connu un développement international très très rapidement. En faisant le choix de nous allier à chaque fois avec le grand libraire physique, donc d'où la Fnac. En France, on travaille avec Indigo, qui est l'équivalent au Canada, WH Smith en Angleterre, etc. Donc en fait, effectivement, on a un catalogue qui est vraiment très international. On a des auteurs qui publient dans plus de 140 pays. Et nous, on s'est lancé, donc la Luisos, on l'a lancé en France en 2011 avec la FNAC, et la plateforme a été lancée en 2012. En France et depuis en fait et 2012 c'était vraiment le lancement enfin partout dans le monde pour la plateforme et on voit aujourd'hui que la croissance ne se dément pas et au contraire je rejoins Charlotte pour dire que c'est une croissance qui s'accélère depuis on va dire 2016-2018 on voit vraiment un boom et notamment les chiffres 2017-2018 et nous en fait aujourd'hui sur le catalogue Kobo en fait un livre sur quatre est issu de l'auto-édition au niveau mondial, et notre base auteur continue à augmenter avec une croissance à deux chiffres. On a fait plus 20% entre 2017 et 2018. Donc effectivement, c'est une croissance qui ne s'interrompt pas, qui continue, et ça concerne aussi bien les pays anglo-saxons que les pays européens qui sont en train de prendre la même direction et d'accélérer leur croissance. Dont la France. Exactement, la France est un de nos piliers sur l'Europe, oui, mm-hmm. Si je mets l'Angleterre à part, oui, tout à fait. Oui. Donc le top 3 des pays européens hors UK, ça hors UK, quoi pour nous, ça va être France, Pays-Bas, Italie. L'Allemagne, je mets à part parce qu'en fait, avec le partenariat Tolino, on a fait le choix de se concentrer sur la marque Tolino là-bas. Donc les auteurs passent par Tolino et dans tous les autres pays, ils passent par Kobo parce que c'est là que voilà, Kobo est le plus fort. Bon. Alors c'est bien, merci beaucoup parce que l'objectif de la rencontre c'était aussi d'être sans langue de bois, donc évidemment vous comprendrez qu'on ne peut pas tout dire, mais je pense que c'est assez éclairant et que les participantes jouent le jeu, et ça c'est plutôt pas mal. On va faire un petit focus sur LibriNova avec Charlotte,
Vous, vous avez un élément qui est vraiment différenciant par rapport aux autres plateformes, c'est-à-dire que vous avez un rôle d'agent également. Et ce programme d'agent depuis 5 ans, qu'il existe, hein, d'après, je pense qu'il a été lancé quasiment en même temps que LibriNova, combien d'auteurs ont pu bénéficier aujourd'hui de ce programme d'agent? Parce qu'il y a quand même des règles, tout le monde ne peut pas rentrer dans ce cadre-là, et surtout tout le monde ne peut pas accéder finalement à être publié chez un éditeur dit traditionnel. Pas tout le monde, mais on en a quand même beaucoup. Et c'est vrai que ça a toujours été, c'était vraiment le cœur de l'idée de LibriNova, de lancer un service d'auto-édition et puis de trouver une façon de le rendre unique. Et cette façon, c'était d'accompagner les auteurs vers l'édition et de dire on va se servir de l'auto-édition comme d'un tremplin vers l'édition traditionnelle. Il se trouve que Laure et moi, en plus, on venait d'une maison d'édition, on s'est rencontrés en travaillant ensemble dans l'édition. Donc ça nous tenait à cœur de faire ça. Donc on a lancé un programme d'agents avec une idée de base. Les auteurs qui vendent plus de 1000 exemplaires de leurs livres rentrent dans le programme d'agents et on les aide à trouver un éditeur. À ce jour, on a un peu plus de 50 auteurs qui ont signé un contrat d'édition. Donc on maintient un taux dont on est assez contente. C'est qu'un auteur sur 50 chez LibriNova passe à l'édition traditionnelle. C'est beaucoup plus élevé que ce qu'on imaginait. Et on en est vraiment, vraiment contente. Et c'est quelque chose qu'on renforce en permanence, puisque c'est vraiment notre valeur ajoutée par rapport aux autres sites. Et on a créé il n'y a pas longtemps donc, une plateforme éditeur dont je vous parlerai tout à l'heure, mais qui permet de renforcer encore ce rôle-là en permettant aux éditeurs de venir chercher directement sur un site dédié dans notre catalogue des livres qu'ils pourraient ensuite publier. Alors, on voit le programme, on va dire, agent de LibriNova. De votre côté, Enara et Camille, est-ce que vous avez une idée du nombre d'auteurs qui ont commencé par l'auto-édition et qui aujourd'hui sont publiés chez des éditeurs classiques, on va dire, de la chaîne du livre? Et est-ce que vous avez aussi une idée si ces auteurs restent quand même attachés à l'auto-édition, c'est-à-dire est-ce qu'ils gardent par exemple leurs droits numériques, est-ce qu'ils ont tendance à se dire je ne vais pas quitter pour autant l'auto-édition, c'est pas parce que je suis publié chez un grand éditeur que j'oublie complètement l'auto-édition? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Enara? Ouais. Alors, les chiffres, nous ne les avons pas. Tout simplement parce que les auteurs gardent l'intégralité de leurs droits quand ils s'auto-éditent. Par conséquent, ils n'ont signé aucun contrat avec Amazon. Ils ont donc toute liberté à tout moment de signer un contrat avec une maison d'édition, avec un producteur audiovisuel. Ça se passe sans nous et ça ne nous concerne pas. Et donc les choses sont très, très vertueuses de cette manière. Effectivement, on sait quand même qu'un certain nombre d'auteurs sont contactés par des maisons d'édition. Nous avons mené une enquête l'année dernière auprès des 1000 auteurs les plus actifs sur KDP. Parmi eux, 15% avaient été contactés dans les 6 derniers mois par une maison d'édition traditionnelle. Donc ils sont effectivement un certain nombre à aller dans ces maisons d'édition. Je peux citer quelques exemples récents pour vous montrer aussi la diversité des maisons. Récemment, Sébastien Thévenny, qui écrit des thrillers, a signé chez Michel Lafon son prochain polar, thriller. Louisiane Cédor, qui a écrit un recueil de nouvelles, a été publiée chez Robert Lafon et elle était nominée pour le Goncourt de la nouvelle. Anne-Gaëlle Huon, qui publie de la romance Feel Good, va sortir son prochain roman chez Albin Michel. La liste est très, très, très longue. Et effectivement, parmi tous ces témoignages d'auteurs auto-édités, beaucoup ont adopté un statut qu'on va appeler hybride. Hybride, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire surtout qu'on va garder un pied à la fois dans l'auto-édition et dans l'édition traditionnelle. Ça se manifeste de deux façons différentes. Soit effectivement, les auteurs vont négocier avec la maison d'édition traditionnelle de garder leurs droits numériques et céder uniquement la version physique de leur livre pour une distribution en librairie. Ce qui leur permet donc de garder ce goût de l'entrepreneuriat et également d'avoir accès à des redevances de 70% sur les ventes de leurs livres numériques. Et hybride, c'est également se dire, eh bien, je vais céder une partie de mes droits à une maison d'édition et je vais continuer à auto-éditer certains livres. Car une maison d'édition ne pourra pas publier 3 de vos livres par année.
Or, il y a des auteurs auto-édités qui publient, qui écrivent beaucoup, qui se consacrent à l'écriture et qui en vivent et qui ont besoin ou envie de sortir plus souvent des livres que ne permettrait le rythme de l'édition traditionnelle. Voilà. Alors, effectivement, comme chez KDP, on n'a pas d'indicateur pour suivre les auteurs une fois qu'ils partent chez des éditeurs. En revanche, on en a effectivement qui sont hybrides, qui en général travaillent avec des éditeurs et qui continuent aussi à s'auto-éditer au gré de leurs projets, au gré de leurs rencontres, on va dire, éditoriales, de leurs envies et de leur rythme de publication. Et en fait, je voudrais aussi apporter un éclairage international, parce qu'on a pu voir effectivement au début, quand l'auto-édition a vraiment commencé, on a vu des grandes stars aux États-Unis qui ont pu garder leurs droits numériques et signer des contrats papier. Je pense par exemple à Bella André, qui est une des plus grandes auteures de romances, ou Hugh Howey, qui a été ensuite publié ici chez Actes Sud. C'est un auteur de SF. C'est quelque chose qu'on ne voit plus, en fait. En tout cas, chez les Américains, on a vraiment des auteurs qui se vivent comme indépendants, entrepreneurs, et qui vivent, on va dire, leur carrière comme ça, et qui ne recherchent pas forcément à travailler avec des éditeurs. Là où, en Europe, et la France en est un bon exemple, on a cette tendance qu'on retrouve aussi en Allemagne ou en Italie, où des auteurs sont repérés sur les plateformes, Kobo, Amazon, etc. Les éditeurs viennent les voir, ils négocient ensuite leur contrat, et souvent, pour eux, maintenant, c'est important de garder en fait leur droit numérique et de continuer à faire ce qu'ils faisaient déjà très bien, tout en s'alliant avec un éditeur pour vraiment ce que l'éditeur peut apporter, le réseau de librairies, etc. Ouais. Et c'est vrai que je discutais avec une auteure qui est très, 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 très connue aujourd'hui et qui a commencé par l'auto-édition. Je l'ai rencontrée il y a 2 jours et elle me disait, moi, je veux garder mes droits numériques d'exploitation sur certains titres parce que c'est extrêmement important, même si elle vend énormément de livres aujourd'hui en édition traditionnelle. Et elle est française, donc y a quand même de vraies questions qui se posent au niveau des auteurs dans ce genre de domaine. Qu'est-ce que tu en penses, Charlotte ? Nous, en tant qu'agent, quand on représente un auteur sur son titre, on fait évidemment comme l'auteur a envie qu'on fasse pour lui. On est son agent, donc on est là pour l'écouter. Donc s'il veut conserver ses droits numériques, on entame les discussions dans ce sens. Mais ça ne nous arrive pas si souvent, en fait. Ce qui se passe, c'est plutôt que l'auteur cède tous ses droits à son éditeur en disant, moi là je fais confiance à un éditeur et je lui donne tous les moyens finalement pour qu'il puisse faire vivre mon livre. En revanche, très souvent dans les contrats et dans les discussions, on fait en sorte que l'auteur puisse continuer derrière à publier des titres en auto-édition. Comme tu disais, les auteurs auto-édités, ils écrivent énormément, les éditeurs ne peuvent pas et ne veulent pas tout absorber. Et donc, c'est hyper important de garder cette liberté de faire un peu des deux. Et ce roman-là, il est pour mon éditeur. Et puis, l'autre, il est peut-être fait plutôt pour l'auto-édition. Alors, on va passer à un autre niveau maintenant de notre rencontre. On a l'impression aujourd'hui, enfin, on baigne un peu toutes dans l'auto-édition depuis plusieurs années maintenant. Depuis qu'on est toute petite. Et on a l'impression que l'auto-édition est passée d'abord d'un phénomène, on va dire, de mode, à un statut de phénomène au sens large du terme, avec des énormes best-sellers issus de l'auto-édition, des choses comme ça, à un statut un peu basique, classique. Est-ce que vous faites le même constat, et si vous faites ce constat-là ou pas du tout, comment vous pouvez l'expliquer? Aujourd'hui, on a un peu, et quand on discute avec les auteurs, on est là, oui, je suis en auto-édition, c'est normal, alors qu'il y a 2-3 ans, c'était quelque chose d'assez étonnant. Enfin, c'était un élément différenciant, quelque part. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus, oui, je m'auto-édite, ok, bon, je passe pas par un éditeur, mais... Donc, Camille. Mais je pense effectivement que ça va avec... Il y a d'une part la professionnalisation des auteurs dont on va très certainement parler, qui jouent. Et en fait, ces auteurs qui sont de plus en plus professionnels sont aussi très bien renseignés. Et maintenant, ils savent, quand ils sont en train d'écrire, ils ont déjà pensé à l'après, comment ils vont se publier. Certains peuvent faire le choix de l'auto-édition pour être repérés par un éditeur, comme ce que tu disais, Charlotte. Mais d'autres peuvent vraiment faire le choix de l'auto-édition pour tout ce que ça apporte en termes de contrôle, de liberté, et parce que voilà, ils ont cette fibre entrepreneuriale, et puis je vais dire cet état d'esprit. Et en fait, c'est vraiment l'état d'esprit qui a changé et qui, je pense, fait que
les auteurs maintenant ne sont plus vus comme des moutons à cinq pattes parce qu'ils sont passés par l'auto-édition ou parce qu'ils passent par l'auto-édition. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. L'auto-édition n'est plus un, comme ça pouvait l'être au départ, il y a 5-6 ans, une voie de garage, ou en tout cas un choix par défaut. C'est un choix conscient et volontaire. Ni même un argument de com', parce qu'au début de l'auto-édition, moi, quand j'accompagnais certains auteurs, c'était un argument de communication, c'est-à-dire c'est un auto-édité, mais il a quand même fait un livre. C'est l'auto-édition. Pour moi, maintenant, ça fait vraiment partie de l'industrie du livre. On est au salon du livre. On voit les stands de LibriNova, d'Amazon qui se fondent complètement au milieu des stands d'éditeurs. Et ce n'est plus, comme il y a encore 2-3 ans, l'auto-édition, le phénomène, quelque chose que tous les journalistes découvraient. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement normalisé. Et je pense que c'est vraiment aussi cette professionnalisation qui est très importante et qui va continuer, qui doit continuer. Et ça aide aussi à dire que, à battre un peu en brèche les idées reçues du type l'auto-édition, c'est que pour des livres mal faits, mal écrits. Et Nara, ton sentiment ? Exactement le même que Camille. Je pense que ce que tu disais en introduction est révélateur et dit tout. 50% des primo-déposants au dépôt légal l'année dernière étaient des auto-édités. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de déposer pour la première fois un manuscrit, les nouveaux auteurs considèrent l'auto-édition comme un choix à part entière. Et pour des raisons qui sont différentes, qui sont multiples. La philosophie, comme tu l'as dit, de l'auto-édition, elle a évolué. On s'auto-édite pour un nombre de raisons extrêmement variées. Mais effectivement, c'est un choix, c'est volontaire. On sait pourquoi. On a conscience des avantages que présente l'auto-édition, qui peuvent être effectivement la liberté de publication, la liberté de ton, les revenus élevés. Et bien d'autres. Oui, je partage complètement. Côté auteur, j'ai pas grand-chose à ajouter. Vous avez tout dit. Et du côté même du reste du monde de l'édition, c'est incroyable comme on est passé. Enfin, il y a 5 ans, nous, quand on a lancé LibriNova, les gens nous regardaient et disaient bon, on va voir. C'était ça. C'était un peu un phénomène, un truc. On va voir ce qui se passe. C'est ce que c'est. C'est la mode. Peut-être que ça va retomber. C'est clairement pas retombé. Et il n'y a qu'à voir notre stand là cette année. Nous, pour la première année, on est en plein milieu du Salon du Livre. Et c'est révélateur de quelque chose. On a même eu le président du CNL sur le stand quand même vendredi. Alors ça, oui, c'est à marquer d'une pierre blanche. Voilà, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'auto-édition a pleinement sa place aujourd'hui. Et plus personne dirait que c'est un phénomène de mode qui va retomber en regardant ça de façon un peu méprisante. Et les auteurs ne sont plus méprisés, je pense, comme ils ont pu l'être à une époque où on disait les auteurs qui s'auto-éditent, c'est ceux qui ont été refusés par l'édition, donc c'est forcément des mauvais livres. Qui oserait tenir ce discours aujourd'hui quand on voit la file d'attente pour Aurélie Valogne en signature? Oui. Ça n'existe plus. C'est sûr. Donc justement, tu me fais une bonne transition par rapport à ma question suivante. Le regard en fait de la chaîne du livre, on a quand même vu qu'au début de l'auto-édition, c'était quand même le terrain de jeu des éditeurs aussi. Ils allaient leur terrain de chasse même. Ils allaient consulter les top 100 de vos sites divers et variés pour aller se dire tiens, je télécharge celui-ci, je télécharge celui-là. Et puis peut-être que j'ai trouvé ma pépite enfin qui va me faire un carton ou un best-seller. Mais en même temps, ils regardaient ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, mais on va peut-être tuer la chaîne du livre, etc., etc., avec les arguments habituel qu'on entend. Donc aujourd'hui, tu le disais déjà en préambule, la chaîne du livre traditionnel, comment elle vous accueille là maintenant où on est sur une phase de, on n'est plus dans le décollage, on prouve tous les jours ce qu'on peut faire en auto-édition, où on en est par rapport aux autres acteurs. Clairement côté éditeur, maintenant on a vraiment passé un cap où on est extrêmement bien accepté, les éditeurs voient l'apport pour eux. C'est intéressant aussi de voir que c'est pas que des maisons d'édition comme on imaginait, c'est-à-dire qu'au début il y a eu Michel Lafon,
Nous, on s'est demandé, est-ce qu'on va vendre tous nos livres à Michel Lafon et les autres vont nous ignorer ? C'est pas du tout le cas. On vend à des maisons extrêmement variées. Je parlais d'un peu plus de 50 contrats. Je crois qu'il y a 30 maisons d'édition. Enfin, ouais. C'est très varié sur la plateforme. Le jour où Grasset s'est inscrit, on s'est dit, ah, ouais, ok, d'accord, ça va loin. Donc ça évolue énormément. Et puis, je soulignerai aussi que avec côté libraire, il y a aussi une évolution. Nous, on travaille très bien avec Cultura, par exemple. On a des auteurs qui organisent des signatures. Les libraires les reçoivent pour ça, acceptent bien, acceptent de lire. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui jouent le jeu de l'auto-édition. Et je trouve ça extrêmement positif d'embarquer plusieurs acteurs de la chaîne. Nara, très rapidement, parce qu'on a beaucoup de questions et le temps file. Oui, je pense effectivement qu'aujourd'hui, toutes les maisons d'édition ont au moins repéré un talent dans l'auto-édition et je n'en connais pas qui fasse exception à la règle. Il y a des pratiques qui sont intéressantes que me confiaient des auteurs auto-édités qui sont interrogés par leur éditeur dans leur maison d'édition sur des conseils, des bonnes pratiques pour vendre leurs livres. Donc voilà, des conseils d'ordre marketing. Il faut savoir que les auteurs auto-édités, ils ont endossé toutes les responsabilités de l'éditeur avant d'avoir un éditeur traditionnel. Donc ils savent tout faire, ils ont beaucoup appris. Et donc il y a une transmission de compétences qui se fait. Et moi je vois aussi, donc, au-delà du côté dénicheur de talent, beaucoup de curiosité de la part des éditeurs qui se disent mais comment font ces auteurs pour vendre tant sans nous ? Et notamment comment ils font pour gérer leur marketing numérique avec autant de brio. Oui, enfin, je rejoins vraiment ce que vous avez dit. Pour nous, effectivement, on est vraiment complémentaires auto-édition et édition traditionnelle. Et on se veut aussi, enfin voilà, passerelle entre les deux univers. C'est pour ça qu'on a lancé le concours Les Talents de Demain avec les éditions Prélude. Et ça fait 3 ans maintenant, Sophie Talmen, qu'on connaît toutes, était la marraine de cette édition. Et le but, justement, c'est de pouvoir repérer un talent de la plateforme et ensuite de le mettre entre les mains d'un éditeur. Et en fait, on va continuer, c'est-à-dire que aussi bien Kobo que Fnac, puisque Fnac avait vraiment cette volonté aussi avec nous, c'est de dire on va aussi pousser la carrière de l'auteur et l'aider à s'installer chez l'éditeur. Donc en suivant vraiment tout, enfin voilà, la vie en numérique, en papier chez nous, en accompagnant aussi l'auteur en l'invitant à Quai du Polar. Il se trouve que les deux premiers lauréats étaient des thrillers et polars. Donc comme Kobo Fnac est présent à Quai du Polar, on les a invités à faire des masterclass, des interventions. Là, on va aussi avoir un épisode du podcast qu'on vient de lancer. Donc pour nous, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme. Et ça prouve, enfin voilà, ça prouve tous les jours qu'on peut travailler main dans la main. Ok. Est-ce que vous constatez aujourd'hui, quelques années après le fameux grand boom, est-ce que vous constatez des limites à l'auto-édition ? Est-ce qu'il y a un tassement de la part des auteurs ? Est-ce que vous constatez quelque chose qui s'essouffle ou Alors pas du tout. Moi, je crois que l'envie est là et elle est même boostée. Enfin bon, il n'y a qu'à voir l'affluence aussi pour cette table ronde. Elle est vraiment là. On est loin d'en avoir atteint les limites. Et j'étais à la foire de Londres en début de semaine où là-bas, c'est vraiment une foire qui a compris que l'auto-édition, ça faisait partie du paysage. Il y a un endroit qui s'appelle Author HQ. C'est le coin des auteurs, il y a plein de prestataires qui sont là, il y a les associations d'auteurs qui sont là, il y a des tables rondes pendant 3 jours pour les auteurs. Moi j'étais sur une table ronde justement sur l'auto-édition et en fait il y a autant de... Enfin ça buzz autant que qu'ici, donc, et pourtant là-bas ça a commencé depuis vraiment beaucoup plus longtemps. Oui, donc l'envie est toujours là et même dans les pays plus avancés, anglo-saxons, on est loin d'avoir atteint les limites. Et Nara ? Alors nous effectivement du point de vue des lecteurs, évidemment on constate pas de tassement, bien au contraire. C'est plus de 40% du top hebdomadaire des ventes de livres numériques sur Amazon qui sont des livres auto-édités. Et ce chiffre, cette part, elle augmente constamment. Si on parle de limites de l'auto-édition, pour moi, les limites principales de l'auto-édition, ce sont les compétences requises pour être un auteur auto-édité. Elles sont très nombreuses, il ne faut pas être seulement auteur. Et voilà. Et en parallèle de ces limites, on observe, et c'est normal, une grande professionnalisation des auteurs auto-édités qui, pour les auteurs KDP, déclarent à plus de 50% faire appel à des compétences extérieures pour la publication de leurs livres. Donc des correcteurs, des graphistes professionnels. Je complète juste avec un petit chiffre, donc, très rapidement, parce qu'on a fait un sondage avec le magazine Lire sur l'écriture, et un quart des personnes interrogées ont déclaré connaître l'auto-édition. Moi, j'étais ravie parce que je trouve ça énorme, et en même temps, ça veut dire que 75% des gens ne savent pas ce que c'est, donc on a encore, donc, quand même y a encore plein de choses à faire. Une marge de progression absolument énorme. C'est clair, ça c'est sûr.
Oui, ce chiffre était assez convaincant là-dessus. Et justement, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances dans l'auto-édition ? Est-ce que vous notez, notamment dans le travail des auteurs, au-delà de la professionnalisation, parce que ça, on en parle souvent, donc j'aimerais bien qu'on aille un tout petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances que vous constatez dans l'auto-édition sur la manière de soit de travailler, soit de communiquer, soit de démultiplier les supports? Ouais, moi je pense que c'est vraiment sur le fait que les auteurs, il y a quelques années, ils commençaient par l'e-book parce que c'était le plus facile, voilà, le moins coûteux. Maintenant, les auteurs ont vraiment une vision globale de plus en plus. Et en fait, cette vision globale, c'est, je pense, multi-support, e-book, papier, audio, puisque maintenant l'audio est là depuis quelques années. Audible est là avec son studio. Nous, on s'est lancé l'année dernière avec Fnac et Orange. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a un coût à l'entrée pour le livre audio, mais il y a des auteurs qui commencent à se dire il faut que je me forme, qui se forment auprès de comédiens, qui s'équipent. Donc voilà. Et il y a aussi des prestataires qui, du coup, se disent peut-être que je peux élargir aussi ma clientèle envers les auteurs indépendants. Donc tout ça, il y a vraiment. Et pour moi, c'est vraiment cette vision et l'état d'esprit dont on parlait tout à l'heure qui est en train de changer, qui devient de plus en plus prépondérante. Et j'espère que ça va aussi. Continuer à, on va dire, guider les nouveaux qui arrivent chaque année dans cette voie de l'auto-édition comme choix, comme méthodo. Effectivement, ce que dit Ainara est très important. L'écriture, c'est le début, mais on est loin d'avoir fini. Il faut être éditeur, il faut être vraiment pro, ça c'est indispensable. Donc, tendance multi-support, papier, numérique, audio. Ça, c'est une tendance que toi, tu constates, Camille. Oui, et puis, audio, on en est vraiment au tout début hein, chez les auteurs. Et Nara, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans les tendances ? J'allais dire exactement les mêmes choses. Je sais, c'est pour ça que je pose la question. Et en particulier, donc chez Amazon, on a donc la société Audible, qui est donc une filiale d'Amazon, qui produit de plus en plus d'auteurs auto-édités. Donc ça, c'est une vraie tendance récente et importante. Il y a un service aux États-Unis qui s'appelle ACX, qui est disponible pour les auteurs auto-édités américains qui peuvent auto-éditer en fait, la version numérique de leur livre. Donc effectivement, et puis le réflexe qu'ont les auteurs aujourd'hui, et je reviens exactement sur ce que tu dis, à publier leurs livres à la fois en numérique et en papier au même moment, avec la même date de sortie, comme le font les éditeurs traditionnels désormais. Charlotte. C'est hyper dur de compléter. La tendance, terrible. Non, là où ils sont assez forts aussi, et où ils suivent les tendances, c'est beaucoup sur la communication. J'ai l'impression que là-dessus... ils sont de plus en plus au fait de ce qui se passe, ils suivent en fonction des réseaux sur lesquels il faut être. Là, ils ont tous basculé sur Instagram et puis ils font des choses super. On a nous aussi une tendance au retour un peu après l'idée de dire on va publier en ligne, en numérique, etc., de dire quand même le papier c'est bien et quand même on va aller voir un libraire du coin, faire une signature, des choses assez classiques en fait. La tendance est un peu parfois au retour... Retour à l'ancienne, parce qu'aussi ils comprennent ce que c'est d'être son propre éditeur et d'être éditeur. Et là où ils sont vraiment très innovants, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et ça intéresse les éditeurs, c'est dans leur promo, dans la com, où ils font des trucs super. Alors on l'a vu, hein, vous proposez tous des services avec des points communs. Vous êtes concurrents, on va pas se mentir. Vous êtes concurrents. Quand on s'adresse aux mêmes public, on est forcément concurrent. Donc comment vous gérez tout ça ? Est-ce que vous vous regardez ? Alors déjà, le fait que vous soyez toutes aujourd'hui présentes, c'est déjà un signe plutôt encourageant. Mais comment vous gérez ça ? Comment vous gérez ça, la concurrence ? Est-ce que vous regardez ce que fait l'autre ? Est-ce que vous ajustez en fonction, etc., etc. ? Je pense que, enfin, on le gère bien, hein. On est là toutes les trois, ça nous arrive de déjeuner, etc. Donc déjà, on n'est pas à couteau tiré. C'est vrai. Non, mais c'est important de le dire parce que tout le monde ne le sait pas. C'est important. Et je pense que c'est bien aussi qu'il y ait une diversité de solutions. D'une part, parce que les auteurs, ça leur donne le choix. Et puis nous, il y a aussi une émulation. La plateforme dont tu parlais, que vous avez lancée, je trouve que c'est une super idée. Enfin, évidemment, on regarde ce que chacun fait, etc. Et puis, je pense que ça nous pousse aussi, nous, chacun, à nous challenger, à voir ce qu'on peut proposer de,
de complémentaire à ce qu'on propose déjà, comment on peut se différencier, etc. Donc voilà, donc moi je pense que de toute manière c'est bien pour l'écosystème et in fine ça va profiter évidemment aux auteurs qui peuvent aussi effectivement... on a aussi je pense des profils d'auteurs qui vont peut-être aller, ceux qui veulent vraiment trouver un éditeur si c'est leur finalité, évidemment, enfin voilà, c'est LibriNova, ce qu'il faut pour les attirer, ceux qui veulent vraiment, enfin voilà, être entre les mains de tous les lecteurs, ils vont aller chez toutes les plateformes, et ceux qui ont peut-être besoin de plus d'accompagnement, de personnalisation, ils savent que chez Kobo, on est là, enfin, on a des équipes locales, en fait, dans chaque pays, pour justement pouvoir peut-être prendre par la main les auteurs, là où Amazon a d'autres services, plus, ben voilà, papier, numérique, audio, donc je pense qu'on a chacune aussi des avantages compétitifs qui font que ça enrichit l'écosystème et que ça profite finalement à tout le monde. Alors c'est vrai qu'on va évidemment tous dans la même direction, on suit le même objectif et on le fait ensemble. Ce que nous prenons toutes, c'est la liberté d'entreprendre et d'écrire. Et dans la liberté qui vous est donnée à vous, auteurs, il y a celle de choisir comment je vais me publier. Et c'est la genèse même de l'auto-édition, c'est le choix où je vais publier, où je vais vendre. Et c'est tout à fait sain et vertueux qu'il y ait que ce choix existe et que nous fassions chacun des expériences qui sont intéressantes, qui sont différentes, qui proposent des services additionnels aux auteurs. Je dirais que la spécificité du programme KDP, c'est que les auteurs peuvent inscrire leurs livres dans le cadre de l'abonnement Kindle, qui permet aux lecteurs de lire un nombre de livres illimité et donne apporte des revenus et des lecteurs supplémentaires aux auteurs. Mais nous avons chacun nos spécificités et on propose un catalogue riche et créatif aux auteurs. Tout à fait, et moi je dirais même que alors Kobo et Amazon sont mes partenaires en plus, puisque oui. Nos livres, les auteurs LibriNova sont distribués chez Amazon et Kobo, donc c'est important. Oui. Et puis après, on se différencie en essayant d'avoir un positionnement le plus unique et le plus compréhensible possible, qui est de distribuer sur tous les sites libraires pour les auteurs qui veulent une distribution très large, de proposer des services, de proposer une passerelle vers l'édition, et on sait qu'on va attirer les auteurs intéressés par ça. Enfin, c'est-à-dire que moi, les auteurs qui veulent tout faire de A à Z, gérer l'intégralité de la chaîne, ils ne vont pas venir chez LibriNova et c'est pas grave. J'attire un profil d'auteur qui correspond à mon offre et tant mieux. Alors, moi, depuis que je fais le Salon du Livre, ça fait un bout de temps et depuis qu'on a la présence de l'auto-édition, on a vu des stands arriver au Salon du Livre Paris. Au départ, je me souviens d'une espèce d'effervescence, je ne dis pas que l'effervescence n'est plus là, autour des stands, notamment Kobo, quand il y avait un stand Kobo, mais là, il n'y en a pas, mais Amazon, LibriNova. Mais ce que je remarque, et c'était un début de tendance l'année dernière, mais cette année, c'est complètement confirmé, c'est que si vous allez dans l'allée T ou dans l'allée D, on a énormément d'auteurs indépendants en auto-édition qui ne sont plus raccrochés à leur petit cocon de départ, à savoir vos plateformes respectives, qui prennent leur envol, qui prennent leur stand et qui ont des modèles économiques, de communication, de marketing, etc., qui sont complètement détachés de vous. Alors, vous voyez ça comment ? C'est génial, c'est le cœur même de l'auto-édition. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais, l'auto-édition, c'est la liberté. Ils ne sont pas liés à nous par un contrat d'édition, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, si ce qu'ils veulent, c'est prendre un stand et faire leur pub, moi, je trouve ça d'autant mieux que j'ai aucune envie d'être le type de service d'auto-édition qui met des auteurs en file sur son stand pour des signatures sans derrière promouvoir ces signatures et d'en garder des auteurs qui attendent le lecteur. C'est pas ce que je veux. Et là, ils sont organisés, ils sont à fond, ils ont plein de monde qui vient. Je trouve ça merveilleux. Et nous ne sommes pas des éditeurs. Ils sont la caution du service que l'on propose et pas l'inverse. Donc il est effectivement naturel, très enthousiasmant de voir que ces stands émergent, que les auteurs s'approprient toutes les techniques de vente, de promotion, de mise en avant, qu'ils ont développé cette capacité unique à avoir un lien direct avec leurs lecteurs, qu'ils sont capables de prolonger l'expérience numérique qu'ils ont avec leurs lecteurs, avec leurs bêta lecteurs sur les communautés, de pouvoir la prolonger comme tout autre éditeur qu'ils sont sur un salon du livre.
Oui, et pour compléter, je dirais qu'ils ont aussi réussi à faire leur place et leur trou à Livre Paris. Il y a quelques années, c'était peut-être pas forcément évident d'être là c'était en tant qu'auteur. Voilà. Je sais que même pour s'accréditer, en tant qu'auteur, on leur demandait qu'il fallait être édité traditionnellement, etc. Maintenant, ils sont là, ils ont leur place. C'est des auteurs à part entière. Et donc, je pense que ça, c'est très important. Et moi, je vous rejoins toutes les deux. Le fait qu'ils s'émancipent et qu'ils volent de leurs propres ailes, c'est vraiment génial. Et je pense que c'est. Enfin, je reviens toujours à l'état d'esprit, parce que c'est aussi le mot que j'ai retenu de la Foire de Londres. Le mindset, c'est vraiment de se dire que moi, je suis indépendant et je gère ma vitrine, et ma vitrine, c'est mon blog, mon site auteur, ma newsletter, c'est mon stand quand je suis là, seul ou avec d'autres. Donc, on est vraiment là, au cœur de la tendance de cette année, je pense. Et d'ailleurs, il y en a plein à qui j'ai posé la question en disant, mais comment ça se fait que vous avez pu, parce que ça coûte cher un stand au Salon du Livre, Eh bien, souvent, la réponse qui vient, c'est un, on s'est fédéré à plusieurs auteurs, ce que je trouve assez sain. Et deuxième réponse, c'est on utilise nos droits d'auteur, c'est-à-dire ce qu'on gagne en vendant sur les plateformes pour pouvoir se payer un stand. Donc, il y a vraiment une démarche, la volonté d'investir, qui n'existait absolument pas il y a encore 2 ans, on va dire. C'est clair et net. Tout le monde était raccroché au cocon de départ, notamment chez KDP et chez Librinova. Donc, c'est assez intéressant. Pour moi, c'est la tendance par rapport à la question que je vous posais. C'est plutôt la tendance. Donc, vu qu'on a une espèce d'indépendance encore plus grande, finalement, puisque on ne prend plus votre caution forcément pour faire sa promo, on va dire, est-ce que vous constatez qu'il y a une concurrence entre les auteurs? Est-ce qu'il y a un esprit de positif ou négatif, et comment ça se caractérise, Comme tu le disais, ils se sont rassemblés là pour faire ces stands, et moi je trouve ça assez révélateur de l'état d'esprit qu'ils ont en auto-édition. On le voit sur notre groupe Facebook d'auteurs Librinova, ils s'entraident principalement, ils se posent beaucoup de questions. Et toi, comment t'as fait? Et toi, d'accord, ok. Ils se lisent mutuellement. Enfin, je ressens pas beaucoup cette concurrence-là, même si elle doit exister quelque part. Oui, bien au contraire, et c'est en ça que cette communauté est atypique, c'est qu'elle est extrêmement accueillante et bienveillante, et je leur dis, et je les remercie pour ça, parce que je trouve que c'est très inspirant. Il y a effectivement sur Facebook des groupes d'auteurs, il y a le groupe des auteurs indépendants sur Kindle, où il y a près de 2000 personnes, et les nouveaux auteurs qui s'auto-éditent vont pouvoir rejoindre ces groupes, poser toutes leurs questions, et il y a spontanément toujours des auteurs à succès ou pas, qui vont partager les bonnes pratiques, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont mis eux-mêmes des années à apprendre. Ils ne vont, ils vont le donner à ces nouveaux auteurs. Et ça, c'est précieux. Oui, et d'ailleurs, les vétérans de l'auto-édition n'ont pas hésité à partager sur leur blog. Je pense à Jacques Vendroux. Ils ont vraiment tout expliqué, comment ils ont fait, comment ils ont commencé, et aussi les erreurs qu'ils ont faites. Et donc ça bénéficie évidemment aux nouveaux qui arrivent. Aujourd'hui, il y a cette entraide et cette solidarité se retrouvent évidemment par des stands collectifs, sur les réseaux sociaux, aussi quand il y a des événements comme ça, où les auteurs se retrouvent, organisent eux-mêmes leur propre... leur propre apéro, etc. Et il y a vraiment toute la littérature aujourd'hui en ligne pour qu'un nouvel arrivant fasse son étude, sache exactement où est-ce qu'il met les pieds et ne parte pas à l'aventure. Parce que, et c'est vraiment ça, je pense, qui va changer, c'est qu'on verra de moins en moins de gens partir à l'aventure dans le monde de l'auto-édition sans savoir pourquoi ils y sont et ce qu'ils vont y faire. Donc depuis qu'on a vu émerger l'auto-édition, on a vu qu'il y avait des services très rapidement, notamment Amazon proposait à la fois du livre numérique et du livre papier avec CreateSpace, Librinova pareil. Est-ce que vous allez innover? Est-ce que vous allez apporter des nouveaux services? Est-ce que vous allez proposer des choses un peu plus sexy que des choses un peu basique finalement aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que les auteurs évoluent, qu'ils avancent. Est-ce que vous allez continuer? Alors je sais que Librinova est super active là-dessus, notamment avec la dernière plateforme qui a été lancée. Ça serait presque plus une question pour Camille et pour Renata. J'ai le droit d'en parler quand même après. Oui, tu as le droit d'en parler, mais on n'a plus beaucoup de temps, on n'a plus que 3 minutes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus innovant que de pouvoir permettre à un auteur auto-édité de voir son livre exister en papier,
de le pouvoir le vendre dans le monde entier sans avoir payé un tirage, géré un stock. C'est l'impression à la demande et à l'unité. Et ça, c'est une vraie révolution. Et les auteurs auto-édités y ont eu accès finalement un peu avant tout le monde. C'est peut-être une révolution dans le sens de l'industrie du livre. On vend et on imprime à la demande. Et ça, c'est, voilà, c'est exceptionnel. Donc l'innovation, elle se fait effectivement beaucoup là-dessus. Comment on fait pour accompagner les auteurs pour que l'expérience soit absolument parfaite jusqu'à la fin, qu'on propose le plus de formats papier possible. Voilà. Oui, et nous, effectivement, on cherche tout le temps à améliorer nos fonctionnalités. Donc, on se nourrit beaucoup des retours des auteurs, des demandes. Là, celle à laquelle on travaille, qui devrait bientôt voir le jour, c'est le fait de pouvoir permettre à des auteurs d'uploader directement leurs fichiers audio dans la plateforme Copywriting Live. Donc, très prochainement, de publier son audiobook. On a un scoop. Tout comme... Ah oui, oui. Vraiment, ça, c'est, voilà, c'est ce sur quoi on travaille. Pour quand? Pour quand? Ben, là, on va dire mars-avril. Enfin, un ouais, scoop. Ouais, ouais. D'accord. Donc, ça, voilà. Donc, ça, c'est vraiment... Et ça, parce qu'on a eu une demande très très forte et qu'on voit que en France aussi l'audio est là, que les auteurs voilà, veulent être vraiment sur tous les supports. Donc bientôt ce sera possible d'utiliser Copywriting Live pour la publication e-book et audiobook. Et d'ailleurs l'audio, on y croit très fortement. On a lancé notre podcast juste pour le salon du livre. C'est un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast et qui a vraiment l'angle auto-édition. Et on va voir des auteurs qui sont issus des deux mondes, qui passent de l'un à l'autre pour vraiment savoir comment ils sont venus. Enfin voilà. En savoir plus sur leur parcours d'écriture et comment ils ont vu leur passage à l'auto-édition et même comment ils se sont publiés finalement, que ce soit en auto-édition, en édition traditionnelle, d'un côté ou de l'autre. Donc il va y avoir un numéro par mois et ça participe aussi à finalement rendre visible tout ce que font les auteurs, tout ce qu'on fait nous et avoir encore plus cette place qu'on occupe aujourd'hui finalement. Charlotte, bon. Tu as le droit. Le suspense sur ma super innovation a été gâché, mais de toute façon, comme elle est sortie en septembre, il n'y avait pas de suspense. Mais nous, voilà, vraiment, on s'oriente de plus en plus pour encore renforcer ce tremplin vers l'édition. Donc en septembre, on a lancé une plateforme éditeur, donc on a les auteurs qui s'auto-éditent chez nous. Et maintenant, de l'autre côté, on a un site éditeur sur lequel les éditeurs s'inscrivent et peuvent ensuite faire des recherches dans notre catalogue en croisant beaucoup de critères. On leur donne beaucoup d'informations sur les livres pour qu'ils puissent décider le mieux possible quels sont les livres qui pourraient correspondre à leur ligne. Ils peuvent se créer des alertes sur cette plateforme, demander des titres en lecture et nous, on fait le suivi. Et on a déjà 80 maisons d'édition qui sont inscrites de vraiment tout type, beaucoup, beaucoup de maisons d'édition de chez Hachette, de chez Editis, des éditeurs indépendants. On a du monde. Ils y vont beaucoup. Et on a déjà plusieurs titres qui ont été repérés grâce à cette plateforme. Donc c'est notre grosse innovation, ce sur quoi on va mettre un peu le paquet en 2019. Ça a été lancé pour continuer en septembre, à l'alimenter. Octobre, hein. Septembre. C'est récent, ouais. Septembre, ouais. Et maintenant il faut qu'on continue à faire venir les éditeurs dessus et qu'on la fasse connaître aux auteurs le mieux possible. Puisque en fait l'idée c'est de dire, maintenant l'auto-édition chez LibriNova, c'est soumettre son manuscrit au lecteur évidemment, son livre, accéder à un lectorat, mais aussi le soumettre du même coup à plein de maisons d'édition. Ok. Alors, on va presque dépasser, mais la question vaut le coup. Donc, on va la poser, la dernière question. Comment, en quelques mots, je vous en prie, comment vous imaginez l'auto-édition dans 5 à 10 ans ? Charlotte. C'est la question à laquelle personne ne veut répondre ici. Hein, je sais. Parce que c'était, quand ça a commencé il y a 5 ans, je ne suis pas sûre qu'on imaginait la façon dont ça allait se développer. L'impression que j'ai quand même, alors moi je vais parler en tant que petit acteur quand même et acteur indépendante, actrice indépendante, je pense que pour trouver un positionnement face à des géants comme Amazon et Kobo, il faut construire quelque chose de très solide et on voit quand même là, il y avait beaucoup de plateformes qui se sont créées en même temps il y a 5 ans, un peu comme nous. Il y en a qui disparaissent progressivement. Je pense qu'il va y avoir encore de la concentration, tous les acteurs ne vont pas s'en sortir et que pour y arriver, il va falloir être toujours plus innovant. Nous, on investit beaucoup dans les développements, avoir des outils, être techniquement très en avance, puisque je vois aussi l'auto-édition comme l'antichambre de l'édition pour l'innovation. C'est-à-dire que viennent de chez nous des nouvelles technologies, on développe des logiciels, hein, nous, très concrètement, qui, je pense, vont avoir un impact sur la chaîne du livre de demain. Lara.
Alors, moi, très rapidement, ce que je projetterais dans 5 ans, c'est l'auto-édition dans tous les territoires du livre. L'auto-édition n'est pas encore présent dans toutes les catégories, dans tous les segments du livre. Je pense, par exemple, à l'illustré, à la bande dessinée, au manga, qui sont des genres qui sont sous-représentés. Et il y a des contre-exemples. Le manga, alors évidemment, c'est au Japon, mais le manga, c'est le genre qui est le plus auto-édité au Japon. Et voilà, donc je projette le développement de ces genres de façon à ce que finalement les ouvrages proposés et vendus par les auteurs auto-édités soient le parfait reflet de ce qui se passe dans l'édition traditionnelle. Et je projette également que les auteurs auto-édités auront en papier le même succès qu'ils ont connu en numérique. Alors le papier c'est récent, ça a seulement quelques années. Voilà, donc je leur fais confiance pour développer toutes les compétences et vendre en livre physique au moins autant qu'ils n'ont pu le faire en numérique jusqu'à présent. Et pour compléter, moi, la manière dont je vois les choses, c'est que ce sera complètement encore plus normalisé que ça ne l'est aujourd'hui et que les auteurs pourront continuer à aller de l'auto-édition vers l'édition ou aller que vers l'auto-édition ou alors à l'inverse, réexploiter des livres qui ne sont plus exploités chez les éditeurs, reprendre les droits et les exploiter en numérique et en papier eux-mêmes. Donc je pense qu'il y aura vraiment un va-et-vient permanent et que ça fera vraiment partie d'une des possibilités pour proposer son livre au lecteur et concomitant à ça, je pense qu'il y aura aussi vraiment une offre beaucoup plus large de services et de professionnels qui iront vraiment vers les auteurs encore plus qu'on ne voit aujourd'hui. Parfait, ben écoutez, je vous remercie beaucoup, vous avez joué le jeu, enfin, j'espère que le public le pense aussi. Je vous remercie beaucoup, je vous remercie à tous d'être venus si nombreux et puis à très vite pour parler d'auto-édition, notamment sur IDBooks, hein, je vais en parler, avec notre rubrique auto-édition où on vous tient au courant au fur et à mesure de toutes les tendances et de tout ce qui se passe. Et puis vraiment, merci à vous d'avoir consacré cette heure sur l'auto-édition. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, on a été ravis. Mais merci beaucoup. Merci.